Hey, bonjour à tous les manias, on se retrouve pour du un petit news, donc un seul achat, donc pas grand chose, parce qu'en ce moment il n'y a pas d'arrivage grand chose. Depuis la dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, c'était les arrivages Sony, donc là je me suis bien fait plaisir. Mais là il n'y a pas d'arrivage, donc c'est dans un bac moins 50 que j'ai attendu, parce que pour avant il était à 11 euros le Mandoraf 1 et 2. Donc 11,99€, ça faisait un peu cher pour juste deux Blu-ray. Voilà, bon, c'est même si c'est du Disney, ça fait cher. Donc j'ai attendu, attendu, j'ai eu de la chance. Et il en restait un, bac moins 50. Donc passé à 6€, donc ça laisse le Blu-ray 3€ chacun. Voilà, il n'y a rien à dire. Pour du Disney, hein, ça vaut le coup, 3€. Donc voilà, deux petits nouveaux dans la collection Disney. Ensuite, un arrivage par la poste. John Wick, le premier steelbook. Les deux autres, je vous montrerai parce que j'avais déjà. Et donc là, c'est John Wick 1. Je l'avais pas, je cherchais, cherchais. Et là, j'ai eu de la chance. Quelqu'un le vendait vraiment pour que dalle. Donc en plus, c'est pas abîmé, rien du tout. Donc devant, on retrouve Keanu Reeves. Excellent, hein. Le croque-mitaine. Sur la tranche, le titre du film. Et derrière. John Wick avec son arme. Ah, franchement, il n'y a pas à dire. Les steelbooks de cette saga, ils ont de la gueule. Et l'intérieur. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il a gardé l'affiche dedans. Moi, j'adore, parce que je garde de toujours l'affiche. On voit John Wick, hop, avec l'explosion de sa voiture. Je sais pas si on voit bien. Hop, et tout ouvert, ça donne ça. C'est vraiment magnifique. Je suis fan. Surtout de John Wick. Hein. J'ai hâte de voir la série Constantine. Constantine, qu'est-ce que je dis? Conte. Une connerie là, c'est ce film. Je pense à Keanu Reeves en fait. Continental, pardon. La série Continental qui était une tuerie, je pense. Et puis John Wick 4. Mais bon, il est retardé d'un an, mais bon. On va attendre 2023. Hein. 2022, pardon. Puisqu'en 2021, c'est Matrix 4. Donc. Hop, le 1, le 2 et le 3 Parabellum. Donc franchement, ils sont magnifiques, hein, il n'y a pas à dire. Hop, et quand on les retourne, ça donne ceci. Allez, ça, je vous ai déjà fait une petite vidéo, donc on ne va pas rester longtemps dessus. Et petit achat de Happy Cash. Alors, franchement, je pensais pas l'acheter, mais du coup, il me l'a baissé le prix. Donc, c'est Indiana Jones et le crâne de cristal. Le coffret, édition collector, hein, du DVD. Donc, dedans, il y a le crâne de cristal. J'ai déjà ouvert, donc je vous montrerai ça un peu mieux sur la boîte. On voit. Donc, c'est de l'import, hein, parce que là, il n'y a rien de VF. Dedans, il y a le DVD. Mais moi je m'en fous, j'ai le steelbook. Enfin, steelbook DVD. Mais bon, voilà, je laisserai dedans, comme ça je l'aurai dedans. Et le plus important, la petite statue. Donc, le crâne pèse son poids. C'est pas du vrai cristal, hein, mais ça pèse son poids quand même. Il est magnifique. On voit bien. Donc je suis très content de l'avoir trouvé. Il y a juste un petit poc là. Je sais pas si vous voyez. Là, ici. Voilà. Vraiment une petite égratignure pour pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Avec son petit socle. Hop. Qui est assez magnifique. Assez sympa. Et dessous, on retrouve Indiana Jones et le crâne de cristal. Donc dessus, quand on met, hop, est-ce que je vais réussir à mettre d'une main? Bien sûr que non. Voilà, ça donne ça. Et franchement, c'est classe. Donc il est tout petit, hein, comparé à ma main. Voilà. Mais c'est très sympa.
Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Emmanuel.